Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les récompenses que nous obtiendrons pendant l'événement Rocket League, parce que tout simplement, Fortnite fait un partenariat avec Rocket League et je pense même que Rocket League a été racheté par Fortnite. Donc voilà, alors il faut savoir que à partir de demain, Rocket League sera gratuit dans la boutique de Fortnite. Et si vous le téléchargez demain, entre le 23 septembre et le 23 octobre, vous obtiendrez un coupon de 10€ gratuit. Ce coupon, c'est un coupon de réduction. Il faudra faire un achat dans la boutique de Fortnite, genre de 15€. Par exemple, vous achetez 15€ de V-Bucks. Ben, logiquement, vous pourrez utiliser votre code promo de 10€ dans l'achat de vos 15€ de V-Bucks. Donc, ça vous coûtera que 5€ à la place de 15€. Pareil, si vous achetez le pass de combat de Rocket League à 15€, ou à 20€ ou à 25€, vous aurez une réduction de 10€. Mais il faut minimum 15€ d'achat dans la boutique de Fortnite pour avoir utiliser le coupon de 10€. De toute façon, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que moi je vais profiter de ces 10€. Je vais sûrement mettre 5€, 10€ dans Fortnite et je vais essayer d'utiliser le coupon de 10€ que j'aurai. Alors là, on est surtout là pour parler des récompenses qu'on va débloquer pendant l'événement de Rocket League et Fortnite. Alors, je ne sais pas si ça commence uniquement, ce qu'ils disent, le coup d'envoi de l'Amarama aura lieu le 27 septembre. Donc, je ne sais pas si ça commence vraiment le 27 septembre, les défis qu'ils vont nous donner et que je vais vous citer, ou si c'est seulement à partir de demain, dès demain, qu'on pourra déjà réaliser les défis. Donc, je ne sais pas. Il n'est pas vraiment précisé. Le seul truc qu'il est dit, c'est que le coup d'envoi de l'Amarama aura lieu le 27 septembre. Donc, c'est possible que les défis ne seront pas encore disponibles avant le 27 septembre. De toute façon, si les défis sont disponibles, je vous ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer comment faire, etc. De toute façon, là, les défis, je vais vous les dire. Le défi numéro 1. Donc déjà, avant tout, regardez, on peut débloquer apparemment de l'apparence, voilà. Une apparence de véhicule Rocket League ici, ici. Un badge de Rocket League. On peut débloquer dans Fortnite une traînée de fumée, une musique de Rocket League et une émote. Voilà, une émote. Alors, c'est ce qu'il y a sur l'image. Peut-être il y a plus parce que je vois qu'il y a 5 défis quand même. Et c'est des défis pour Fortnite et pour Rocket League. Alors, le premier défi, c'est Lama Star U Engine. Donc, défi Rocket League. Donc, ça se passera dans Rocket League. Les défis que vous devrez faire, ce sera obligatoirement dans Rocket League. Je pense qu'il sera gratuit aussi sur le PlayStation Store, donc pas de panique, vous pourrez le faire sur PlayStation. Et vous devrez faire un match en ligne dans n'importe quelle section, donc en duo, en solo, je sais même pas si on peut jouer à 4 ou à 5, enfin bon. Voilà, il faudra juste faire un match en ligne pour débloquer la récompense dans Rocket League qui est l'antenne Lama Flayers. Donc là, on la voit pas justement l'antenne, je sais pas trop c'est quoi. Et dans Fortnite, vous débloquerez le spray Rocket League. Donc ici non plus, on ne voit pas le spray Rocket League. À moins que ce soit ici à droite, en bas à droite. Mais je pense que ça, c'est une émote. Alors déjà, il y a un défi qu'on ne voyait pas ici, qu'il y aura quand même en plus. Donc défi numéro 2, c'est le Flag Get for Victory. Défi, bien sûr, tous les défis, comme je vous ai dit, ce sera dans Rocket League. Vous allez devoir jouer dans Rocket League un match en ligne en occasionnel avec l'antenne Lama. Ok, l'antenne Lama, je ne sais pas du tout ce que c'est. De toute façon, je vous ferai sûrement des vidéos tuto pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, la récompense, ce sera dans Rocket League un accessoire top Lama. Et la récompense dans Fortnite, ce sera une traînée de condensation Holodata. Donc, je pense que c'est celui-là, cette traînée-là, Holodata. Alors, défi numéro 3, c'est dans Rocket League, vous allez devoir obtenir 5 buts, arrêts ou passes décisifs avec Lama, l'accessoire Lama. Il faudra faire 5 buts ou 5 arrêts ou 5 passes décisifs avec l'accessoire Lama. Donc l'accessoire Lama, je ne sais pas encore c'est quoi, je vous ferai une vidéo tuto là-dessus. Alors récompense dans Rocket League, ce sera le Stikers Loot Lama Octane. Octane, je ne sais pas, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Et la récompense, c'est une piste musicale Rocket League, Rocket Groove dans Fortnite. Donc ce sera cette musique-là. Alors ensuite, pour le défi numéro 4, vous allez devoir faire dans Rocket League, vous allez devoir gagner 5 matchs en ligne dans n'importe quelle section avec le Stikers Lama. Alors le Stikers, c'est sûrement, je sais pas, le Stikers Lama, c'est pas ce qu'on débloque ici. C'est pas ça, je pense que c'est ça. Hein. Faudra
quand vous aurez débloqué ça, il faudra l'utiliser, s'en équiper pour gagner ensuite 5 matchs en ligne. Et là, vous débloquerez les roues de lama et une émoticône Rocket League. Donc, les roues de lama dans Rocket League, on ne les voit pas. Et les mottes dans Fortnite de Rocket League, c'est celle-ci, je pense, en bas à droite. Voilà. Et pour le dernier défi, le cinquième, qui est Lama Légende, dans Rocket League, vous allez devoir obtenir meilleur joueur dans un match en ligne avec les roues lama. Donc, avec les roues lama que vous débloquez dans le défi numéro 4, vous allez devoir obtenir ou être, ouais, je dirais plutôt, c'est être le meilleur joueur dans un match en ligne. Donc, il va falloir être juste faire un match et être le meilleur joueur de toute la partie. Et vous aurez comme récompense dans Rocket League une antenne de bus de combat, de ballon de combat. Ok, une antenne de bus de combat et ballon de combat. Ok, bus de combat et bruit du moteur du bus de combat. Donc, à mon avis, ça c'est sûrement le bus de combat dans Rocket League. Enfin, voilà, un bruit. Et vous aurez les roues du bus de combat de Fortnite, à mon avis. Une antenne de bus de combat, le ballon de combat. Ok. On verra bien, de toute façon, les récompenses. Je vous les montrerai quand ils seront disponibles. Alors, récompense Fortnite. Vous aurez un accessoire de dos Octane RL plus une variante de style que nous ne voyons pas ici. Donc, que je vous montrerai quand j'en saurai plus. Alors, comment obtenir les récompenses? C'est rien de très compliqué. Il suffit juste de faire les défis. Dès que vous aurez réalisé le défi dans Rocket League, vous vous connecterez à Fortnite et vous l'obtiendrez directement. Si maintenant, vous n'avez pas récupéré vos récompenses avant le 12 octobre, vous les obtiendrez directement. La prochaine connexion, il vous les enverra directement sur votre compte, même si vous ne vous connectez pas. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cet événement. Je vous tiens au courant dès que les défis sont disponibles. Je vous ferai des tutos si vraiment il y a vraiment besoin d'en faire. Mais voilà, pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.